Alors, niveau beauté, j'ai enlevé les notifs de mon téléphone parce que... Oh, c'est trop mignon. Hello, hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'essaye de me faire un petit décor au milieu de mon capharnaüm de déménagement. Donc bon, pour l'instant c'est pas encore parfait, mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît comme ça. Je vous fais un petit coucou aux nouvelles abonnées, je vous ai vu arriver. Bienvenue sur la chaîne. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Donc là, c'est une vidéo qui est complètement improvisée, parce que je l'avais pas prévu. J'ai été faire quelques courses chez Primark hier avec des amis et donc je vous avais proposé sur Instagram en Insta Story si vous vouliez donc un haul Primark sur mes petits achats. Et ben donc du coup c'est ce que je vais faire. Vous m'avez tous dit à 90%, pas tous, à 90% vous m'avez dit oui, que vous vouliez un haul. C'est des choses que je fais jamais sur ma chaîne. Ben il y a un début à tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais commencer d'abord par les vêtements d'enfant. J'ai acheté des choses pour bébé chat, mais vu que je vous ai pas encore donné le sexe de bébé chat, je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté pour ce petit bébé qui arrive. Mais j'ai acheté des choses pour ma fille Mimi de 8 ans et pour moi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et quelques petits random qui vont j'espère vous plaire. Donc c'est parti pour les vêtements d'enfant. Donc la première chose que j'ai pris, donc la plupart des choses aussi que j'ai pris, c'est des trucs soldés, hein. Donc la première chose que j'ai pris, c'est ce joli pantalon que j'ai pris pour ma puce, donc en taille 7-8 ans. C'est un pantalon kaki qui est assez fashion. Il y a une petite fermeture ici que j'aime beaucoup, j'aime bien les petits détails comme ça. Et ma fille aussi, c'est un modèle skinny. Et je l'ai payé 5 € au lieu de 13, donc c'était une très bonne affaire. Donc j'en ai profité pour lui prendre ce modèle-là et en fait, elle l'aime beaucoup. Le deuxième vêtement que j'ai pris pour ma puce, c'est ce petit haut avec un papillon en sequin qui est très joli et qui va avec, du coup je trouve qu'il va bien avec, il y a des petites poussières, qui va bien avec le pantalon kaki. Ça s'y prête bien puisque la couleur du papillon ici, là, c'est un peu vert. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du kaki, donc voilà, et de l'argenté. Et donc les deux vont très bien ensemble, je trouve. Les couleurs se marient bien. Et donc ça lui fait un petit ensemble. Et ce petit haut, je l'ai payé 5 € au lieu de 8. Alors ma fille adore les salopettes. C'est vraiment, c'est sa passion dans la vie. Passion salopette, je sais pas pourquoi elle aime les salopettes comme ça. Je lui en avais déjà acheté une à l'époque, il y a très longtemps, chez H&M, qui est devenue trop petite. Du coup, je lui ai pris celle-ci chez Primark. Elle n'est pas soldée. Habituellement, quand je fais les soldes, j'achète que des trucs soldés. Il est hors de question, en général, pour moi, de ne pas acheter des choses soldées quand c'est les soldes. Le principe, quand même, quand on fait les soldes, c'est bien que ce soit soldé. Si c'est pas soldé, c'est pas marrant. Enfin, en tout cas pour moi, j'estime que c'est pas intéressant, je peux y aller un autre jour pour les trucs pas soldés. Là, si je vais pendant les soldes, il faut que ce soit des trucs soldés. Mais là, pour le coup, la salopette n'était pas soldée, mais je sais qu'elle aime tellement les salopettes qu'il fallait que je lui prenne une salopette qui pourrait lui plaire. Donc je lui ai pris celle-ci. Elle est assez sympa. Elle est toute simple, hein, c'est une salopette toute simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut passer, il y a des passants pour mettre une ceinture et du coup, ça peut donner un style assez sympa à la salopette. Moi, j'aime bien. Et du coup, je l'ai payé 14 €, donc pas soldé. Voilà, et avec pour agrémenter cette tenue, je lui ai pris une petite chemise rayée qui est trop mignonne. Je l'adore, je la trouve trop belle. En fait, sur le col, il y a ce petit détail-là avec les yeux et je trouve ça trop joli. Il y a écrit « Beautiful » ici et il y a écrit « Beautiful » dans le dos. Elle est rayée. Et là aussi, je lui ai pris, c'était un truc soldé, c'était 10 € avant
Et là, je l'ai payée 5 euros. Et elle est vraiment très belle, hein. Et pour rajouter à la tenue, on peut la porter comme ça, donc elle la portera comme ça au printemps. Mais elle peut aussi la porter donc là, pendant cette période un peu hivernale, avec ce petit pull que j'ai pris. En ce moment, c'est la mode des perles. Et donc, ben voilà, c'est un petit pull perlé. Et je l'ai payé 7 euros au lieu de 13 chez Primark. Il est très joli. Et du coup, si elle le met par-dessus la chemise, je vous montre ça, ça fait très sympa. Le bleu clair comme ça avec un jean un peu brut, ça passe crème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des articles qui vous plaisent le plus. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, ça c'était la partie enfant. Maintenant on va passer à la partie femme. C'est pas des vêtements qui sont des vêtements de grossesse. Ça me permet ensuite de pouvoir les remettre si le jour où je suis pas enceinte. Donc le premier vêtement que je peux vous montrer, c'est celui-là. C'est ce pull que j'ai acheté soldé aussi. Je l'ai payé 3 euros au lieu de 16 euros. Je me suis pas privée avec les petits trous comme ça. C'est bon. Moi, je suis quelqu'un de frileuse, donc c'est pas un vêtement que je mettrais tous les jours. Mais je le trouve sympa pour à la maison ou pour faire les vidéos. Comme ça fait un petit style qui est assez sympathique, que j'aime bien. Je me suis pris cette robe. Elle fait un peu indienne. J'adore la couleur. Moi, c'est ma couleur, ça. Yellow is the new black. J'adore cette couleur. J'ai des chaussures de cette couleur, des vestes de cette couleur, des écharpes de cette couleur. C'est ma couleur. Je pense que le moutarde, c'est ma couleur préférée. Et je trouve que ça ressort vachement bien sur notre peau noire. Donc, c'est vraiment une couleur qui vous mettra en valeur. Donc là, elle a un petit détail comme ça sur le côté qui fait un peu indien. Des broderies avec des fleurs, etc. Je trouvais ça très sympathique. Elle est en col rond et elle était soldée celle-ci. Elle est à 14. Non, elle n'était pas soldée. Non, je l'ai payée plein pot, mais parce que je la trouvais trop jolie. Elle n'est pas très courte, hein. Elle va m'arriver, je pense, en dessous du genou. Et avec mon bidon, peut-être un peu au-dessus du genou, mais quand je la mettrai en temps normal, elle sera en dessous du genou. Je l'ai pris en taille 38. Donc j'ai vraiment pris ma taille normale, hein. Donc c'est pour ça qu'elle risque d'un peu remonter quand j'ai avec mon bidon. Mais dans la vie de tous les jours, quand je serai plus enceinte, elle pourra me servir parfaitement puisque c'est ma taille 38, hein. Ensuite, pour les femmes enceintes, je me suis pris un nouveau pull, un nouveau pantalon de femme enceinte. Je peux prendre ma robe de ma taille exacte et pouvoir la remettre après ma grossesse, donc ça c'est cool. Mais par contre pour les pantalons, voilà, je rentre plus dans mes pantalons de la vie de tous les jours. Et je peux pas les fermer de toute façon, le ventre le gêne. Donc voilà où j'ai fait mon investissement, mais je les ai jamais payés très très cher. Je pense qu'en tout, je dois avoir 3 ou 4 pantalons de grossesse. Avec ce petit empiècement supplémentaire pour le bidon, qui est vraiment très pratique et franchement on se sent à l'aise après dans son pantalon. Donc je dois en avoir 4 pantalons de grossesse comme ça pour un total de 30 euros. Non, allez, 40 euros. Grand maximum, j'ai payé mes pantalons 40 euros au total. Et donc celui-là, je l'ai payé 7 euros en solde. Et donc voilà, il est très sympa, il remonte au-dessus du bidon, donc c'est dans la gamme maternité. La couleur est sympa et j'ai vu que le bas ils avaient déjà fait le petit détail au niveau des jambes pour plier le pantalon. C'est un jean simple, mais voilà, au moins je serai à l'aise. Et j'aime bien porter mes jeans, continuer à porter mes jeans même en étant enceinte. Toujours dans la gamme de maternité, j'ai pris ce petit t-shirt que je trouvais trop mignon, Coming Soon. Ah, attendez, j'enlève l'étiquette. Il y a écrit Coming Soon. Donc ça, c'est trop sympa. Quand vous mettez ça, ça tombe pile poil sur le bidon. Donc voilà, j'ai même failli mettre ce petit t-shirt à la place du pull pour faire cette vidéo. Il est vraiment sympa, noir, j'ai pris ma taille normale, la taille 38,
et il m'a coûté 6 euros. Donc voilà, c'est un petit t-shirt cool. Il a, si vous voyez, comme pour les vêtements maternité, il y a des petits empiècements. En fait, c'est un peu plus large ici sur le côté, ce qui permet d'avoir le biton qui soit bien à l'aise à l'intérieur. J'ai pris d'autres vêtements de nuit aussi. Alors, pour être à l'aise, parce que quand je rentre du travail, j'aime bien être bien à l'aise chez moi. J'aime bien être à l'aise dans mes fringues, etc. Donc, j'ai besoin de me changer tout de suite et de retirer mes fringues pour pouvoir et mettre des fringues où je me sens plus à l'aise, je me sens mieux. Donc, j'ai pris ce pyjama qui est trop beau. J'adore la couleur, j'adore les motifs. Je le trouve vraiment trop sympa. La matière, elle est tellement douce. Franchement, il est trop trop beau. Donc j'ai pris le bas de jogging, le bas de pyjama plutôt. Comme ça, je vais bien me sentir à l'aise dedans. Je l'ai gardé en taille M parce qu'en fait, au final, j'ai pris que du ventre. J'ai pas pris un peu de fesses aussi quand même, un peu de cuisses, mais pas énormément. Du coup, je peux garder ma taille normale au niveau des vêtements, au niveau du bas. Donc j'ai pris le pantalon et j'ai pris le haut qui va avec. Donc il se présente comme ça. Avec j'aime bien ça, les espèces de cols cheminés comme ça qu'on peut faire tourner au niveau du cou, qui est assez sympa. Et voilà, ça va ensemble. On peut mettre les mains ici, les poches, les mains dans les poches ici. Et il est assez large. Là aussi, je crois que j'ai pris un taille M, hein. Je me suis pas pris la tête, voilà, j'ai pris un taille M, donc sa taille large, et il est assez large pour contenir mon bidon, donc c'est parfait pour moi. L'ensemble m'a fait 20 euros et c'était pas soldé. Voilà. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai une passion pour Harry Potter. Je suis une fan d'Harry Potter. Quand j'avais été à mon voyage à Londres, dans mon dernier voyage à Londres, j'avais été chez Primark et je m'étais pris un sweat Harry Potter avec capuche et tout que j'adore. Il est bordeaux, il est trop magnifique. Donc là, j'ai vu que chez Primark, ce Primark-là, il faisait aussi la collection Harry Potter alors qu'avant on la trouvait qu'en Angleterre. Donc si vous aimez Harry Potter comme moi, foncez parce qu'effectivement là aussi ils font de l'Harry Potter au Primark de Créteil. Et donc je me suis permise de prendre voilà, de me faire plaisir. Donc j'ai pris un petit débardeur Harry Potter. Voilà, qui ressemble à ça. Il est trop sympa. Il fait un peu vêtements des écoles aux États-Unis et tout, comme si j'étais dans une fraternité, avec le petit pantalon qui va bien, de pyjama qui va bien. Donc ouais, c'est vraiment des pyjamas, hein. C'était pour me sentir à l'aise à la maison. Et avec ça, j'avais pris également la cape Harry Potter parce que bon, débardeur, on n'est pas, voilà, on est encore en hiver. J'avais pris la cape qui va avec, mais je l'ai pris, j'ai pas fait attention, j'ai pris du XS. Donc voilà, il faut que je le ramène, mais je vais vous la montrer quand même, la cape. Et donc là, ça m'a coûté 8 euros pour le t-shirt. Et 10 euros pour le pantalon. Donc 18 euros l'ensemble. Quand même assez raisonnable, hein. Voilà, c'est pas non plus la folie au niveau de la dépense. Et je vais vous montrer la cape qui va avec et qui est exactement de la même couleur. Et j'adore. C'est mes délires. Vous me jugez pas, ok? Hein? C'est pas bien de juger les gens. Si j'aime Harry Potter, j'aime Harry Potter. Et puis c'est tout. Donc voilà, c'est la petite cape de Quidditch. Voilà, qui ressemble à ça. Donc elle est en velours, des étoiles, pardon, dorées dessus. Là, elle est dorée à l'intérieur. La capuche est très grande et elle fait une pointe ici comme pour les sorciers. Et donc avec l'ensemble, voilà, ça ira très bien. Je me prendrai pour une sorcière. Voilà, j'essaierai de vous jeter des sorts pour que vous puissiez vous abonner encore plus à ma chaîne. J'ai craqué, laissez tomber. Donc la partie vêtements est terminée. On va passer à la partie beauté. Alors, niveau beauté.
J'ai enlevé les notifs de mon téléphone parce que... Oh, c'est trop mignon. Vous êtes trop chaud hein, dans vos messages quand vous m'envoyez des messages sur des messages privés et tout sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Vous m'envoyez des messages trop chou. Franchement, à chaque fois, je me dis, ah, c'est trop mignon. Merci, hein, merci vraiment pour tout l'amour que vous m'envoyez chaque jour. C'est génial. Attendez, je reprends mes émotions. Donc, pour la partie beauté, je me suis pris cette trousse. Moi, je suis une fan de trousse. J'en ai des milliers à la maison. Je m'en sers et puis après je les salis, je les jette, etc. Donc j'en rachète tout le temps. J'aime pas les nettoyer, ça me saoule. Donc je rachète toujours des nouvelles trousses. Et j'ai vu cette trousse chez Primark de Disney Princesse. Vous allez dire que je suis une vraie gamine, mais oui, je suis une femme enfant. Sachez-le, je prends mes responsabilités de maman, de femme, etc. Mais j'aime bien, je suis un peu une gamine aussi. Donc voilà, j'aime bien les petits trucs comme ça, avec ces petits pompons. Elle est dorée, elle est rose gold, dorée derrière. Elle est trop jolie cette petite trousse. C'est vraiment le petit genre de petite trousse que j'adore mettre dans mon sac. Donc voilà, c'est le genre d'article que j'adore. Et je l'ai payé, pas soldé, 5 euros. Voilà. Ensuite, je me suis pris des masques. Des masques de beauté. C'est des masques en tissu. Donc je me suis dit que j'allais tester. Hein. Je vous ferai une revue, je pense, sur les produits que j'aurais testés, les produits de beauté que j'aurais testés chez Primark. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce type de revue. Donc voilà, c'est des masques coenzymes, herbes et perles pour le visage. Je n'en ai jamais entendu parler, donc je peux vraiment pas vous donner mon avis là-dessus. Je les ai payés chacun, aucune idée. Je ne me rappelle pas combien ils m'ont coûté. Je crois que c'est 2-3 euros chaque masque. Donc voilà. À tester, je vous en dirai plus prochainement quand j'en aurai testé un. Là pour l'instant je peux rien vous dire. Alors cette fois-ci j'ai pris des choses soldées. Je me suis pris deux pinceaux. Les pinceaux larges comme ça de chez Primark. C'est des pinceaux à fond de teint. Donc j'ai pris le plus gros. Et j'ai pris également celui qui est un peu plus pour les contours des yeux. Donc qui est un peu plus petit. Et là aussi c'était soldé. Au lieu de 10 euros l'ensemble, j'ai payé 5 euros l'ensemble. Donc voilà, ça vaut vachement le coup du coup. Pendant les soldes, si vous avez l'occasion d'aller à Primark, je vous conseille vraiment ces pinceaux. Je trouve que pour l'application des fonds de teint et de l'anti-cerne, c'est vraiment très très pratique. Plus pratique qu'un blender et plus pratique je trouve aussi qu'un pinceau normal d'application. Donc voilà, les pinceaux larges comme ça j'adore. Et soldé, 50% de réduction, c'est pas négligeable. Dans tout ce qui est nouveauté également chez Primark, je savais pas qu'ils faisaient des fonds de teint. Et donc du coup je me suis pris des fonds de teint qui coûtent chacun 6 euros. C'est des fonds de teint médium, donc qui sont en couvrance médium, hein, c'est pour un effet seconde peau, ils disent. Velvet Finish Foundation, My Perfect Color. Et j'ai pris la teinte caramel et la teinte Rich Espresso parce que la teinte caramel, elle était un tout petit peu trop claire, je trouve, par rapport à ma carnation. Et la Rich Espresso, beaucoup trop foncée. Pour ma peau, donc du coup je pense que je vais mélanger les deux. Et là aussi si vous voulez je vous ferai une revue sur ces fonds de teint. Donc ils coûtent chacun 6 euros, ce qui est pas très cher. Et la contenance elle est vraiment sympa. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'en ai ouvert un dans le magasin, ce qu'il faut pas faire, hein, c'est pas bien. Mais c'est en format comme ça, pipette. Vous prenez le produit, vous avez une pipette avec le produit à l'intérieur. Et puis ben ça évite de s'en mettre un peu partout. Voilà, donc à tester, à voir si c'est des bons produits. Moi j'ai la peau grasse, voir si ça a vraiment un fini velvet comme ils le disent.
Donc je vous en dirai des nouvelles. Si vous voulez une petite revue sur ces produits, n'hésitez pas. Sinon je vous en parlerai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pardon. Sinon je vous en parlerai sur mes réseaux sociaux. Alors, comme vous le savez, dans mes différentes vidéos make-up que je peux vous faire quand j'ai décidé d'en faire, je suis une brêle, une vraie brêle pour poser des faux cils. Et j'ai décidé que ça allait changer. En 2018, Chacha va porter des faux cils. Elle a décidé d'être belle parce que ça change tout. J'ai remarqué quand je regarde des vidéos des filles qui font des make-up, dès qu'elles mettent les faux cils, tout de suite elles sont 10 fois plus belles. Ben moi aussi je veux être plus belle. Donc j'ai décidé de m'entraîner à mettre des faux cils. Du coup j'ai acheté des faux cils chez Primark. Donc ils étaient pas chers, c'est 1,50€ les faux cils avec la colle qui est prévue à l'intérieur. Donc voilà, je me suis pris des faux cils effet naturel, demi wispies, sultry et les full look. Donc j'ai hâte de tester et je vais cette année, en fin d'année 2018, c'est l'une de mes résolutions make-up, c'est de réussir à mettre des faux cils toute seule comme une grande qui tiennent toute la journée. Voilà, on se retrouve en décembre pour en reparler, ok? Vous mettez en commentaire, ok, c'est noté, on va te relancer Chacha. Je me suis pris également de la colle pour bande de faux cils, au cas où si je me loupe, que je puisse avoir de la colle d'avance. Et apparemment, ils vendent cette marque, la Duo. J'étais avec une copine qui m'a dit que c'était une marque qui était vraiment, 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 vraiment très appréciée des make-up artistes qui mettent des faux cils, etc. Que la marque, que chez MAC, quand ils font des tutos, etc., c'est aussi cette colle-là qu'ils utilisent. Bah, sachez que vous pouvez la trouver chez Primark, hein. Voilà, j'en ai acheté une de plus, au cas où si je me loupe avec les autres, j'aurai une petite d'avance. J'ai oublié dans le make-up, je me suis pris aussi un highlighter doré, un Gold Digger. Donc j'espère qu'il sera bien, hein, parce que je l'ai testé un petit peu sur la main, il a l'air vraiment canon, je vous en dirai des nouvelles. Je me ferai un petit make-up avec les petits produits visage que j'ai pris chez Primark, je vous ferai un make-up avec et je les testerai, vous verrez par vous-même. Mais elle m'avait l'air sympa, elle coûte 3,50€, ce que je trouve un peu cher quand même, mais la quantité quand même elle a l'air énorme, hein. C'est vraiment une palette entière de highlighter, donc pourquoi pas, à voir. Je me suis pris des espèces d'éponges comme ça, des éponges réutilisables qui se mettent à la machine pour me démaquiller. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on utilise énormément de coton, etc., qui se jettent. C'est pas très écolo. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des gants de toilette réutilisables comme ça pour me démaquiller. On peut apparemment se démaquiller avec, jusqu'avec de l'eau. Bon, moi, je me connais, j'aime bien mettre d'abord mon huile démaquillante d'abord pour ensuite passer un coton sur mon visage pour enlever le surplus. Mais du coup, j'utiliserai, au lieu du coton, j'utiliserai ces petites éponges. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos haul. Donc, j'ai peut-être oublié de vous donner, de vous mentionner quelques détails. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire pour que je puisse m'améliorer. voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous mets également d'autres petites vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes beautés, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bonne ce que vous voulez, soyez heureuses dans votre vie, je vous envoie plein de grandes, de bonnes vibrations, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, ciao. Mouah.